Oui, ici, c'est oui. un numéro inconnu par lesquels vous m'appelez. C'est de Bruxelles, c'est Jeannot Kabouya. Jeannot Kabouya de Bruxelles, oui, en fait, comment tu vas? Oui, je vais bien. Je voulais savoir un peu quelles sont les mesures qui sont prises là-bas à Kinshasa et comment vous tenez le moral. Oui, à Kinshasa, notre président Tshisekedi a tenu à une conférence de presse avant-hier. Oui. Et où il a mis en garde Kabila et Mulunda par rapport à leur machinerie. Et il leur a dit que s'ils continuaient, ils donneraient un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, nous devrions tous l'exécuter, congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Même, déjà, vous avez entendu ce que les Congolais, les faillants congolais de l'Afrique du Sud ont commencé à faire. Si, si, c'est très bien. Oui, je suis au courant. Pardon? Je suis au courant. Parfait. Oui. Parfait. C'est des voyants congolais qui déjà montrent l'exemple de la libération. Si, si. Et c'est bon, on attend le mot d'ordre entre le président et nous l'exécuterons. Et les moyens de communication SMS sont coupés, je crois. Oui, c'est coupé, mais bon, jusque-là, les appels passent encore. D'accord. Ils n'ont pas pu couper Internet. On attend le mot d'ordre du président en armant moralement tous nos combattants. C'est des choses. Le peuple est prêt pour motiver la diaspora. Je veux savoir, est-ce que le peuple est prêt? Pardon? Le peuple est-il prêt? Parce que nous ici, on est prêt. Est-ce que le peuple est prêt? Oui, le peuple en interne est aussi prêt. Mais vous savez, ici, il y a une force de répression hors normes, vous comprenez? Oui. Donc, ici, ils tirent à bout portant sur les manifestants, ils ont déployé les chars de combat dans tous les lieux stratégiques de la ville. Maintenant que nous sommes en train de parler, le camp Kokolo est déjà encerclé par la garde républicaine, donc tous les généraux qui sont au camp Kokolo sont déjà en train de se désarmer. Et quand lui-même est encerclé, vous comprenez, le peuple est prêt, le peuple est prêt. Mais la force des répressions ici, on ne la trouve pas ailleurs, vous voyez. Hein. Surtout qu'ils ont le soutien de la communauté internationale qui ferme les yeux devant les crimes de Kabila. Ouais. Mais c'est que le Congolais de l'Afrique du Sud a commencé à faire, et si ça se réveille dans tous les pays où il y a des ambassades du Congo, cette communauté va écouter le message du Congo. D'accord. Il faudrait qu'ils écoutent vraiment qu'on a un ras-le-bol. Oui. Parfait. Compatriotes en Belgique, on continue aussi le combat. Beaucoup de gens nous rejoignent. Et qu'est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport aux Kamer et Kengo qui vous ont rejoints? Non, en contact, ils ont compris que le peuple a choisi Étienne Tshisekedi et l'UDP et qu'ensemble, nous sommes plus forts qu'en ordre dispersé. Et donc, nous saluons ces revirements ou cette attitude. Nous allons capitaliser sur ce qui est. Ok, d'accord. Et il semble qu'il y a les policiers ici, Kanyama, qui intimident la population, qui passe à la télé avec ses troupes tout le temps. C'est Kanyama qui hier a tiré. Oui, c'est Kanyama encore qui hier a tiré sur le combattant. Non, mais la situation de Kanyama est déjà en étude. Okay. Et presque déjà achevé. Au moment opportun, la justice pourra donner. D'accord. En tout cas, courage. Là, nous, on va déjà aller pour des manifestations sur Bruxelles. Nos frères de Paris aussi sont en train de se mobiliser.